À l'ouverture du magasin, on a arrêté de compter à 2500 personnes. Fait que Métro estime qu'on a eu à peu près 3000 personnes. Ça a été une journée fantastique. Ça a récompensé tous les efforts qu'on a mis pour ouvrir le 16 octobre, parce que c'est toujours un sprint final. Et depuis l'ouverture, à toutes les semaines, on est choyé. La clientèle est au rendez-vous. On se fait encore dire que notre magasin il est beau. La clientèle est ravie. Puis c'est la plus belle récompense qu'on pouvait avoir là, après tous les efforts qu'on a mis dans la construction et l'aménagement du nouveau Métro Plus là, dans le centre-ville de Lac-Mégantic. On est très, très, très heureux de la réponse de nos clients. Après 15 mois de fermeture, après 2 mois, on a su qu'on ne pouvait pas se reconstruire dans l'ancien centre-ville. Alors, on est allé à la recherche d'un nouveau site. On a fait les plans du magasin. Ça a pris 22 semaines de construire le nouveau magasin. Et depuis le 16 octobre, on est ouvert dans le nouveau quartier Fatima. On est le premier commerce ouvert dans le nouveau quartier Fatima. On est ouvert en même temps que le pont. Ça va être un quartier très intéressant. On est content, puis surtout content d'être de retour, puis de voir notre clientèle, revoir nos employés, puis de pouvoir tourner la page là, sur ces mois qui ont été difficiles. Petit à petit, on se relève. On n'a pas le choix. On va passer au travers. Mais c'est toute une aventure. L'église était à vendre, il n'y avait plus de culte religieux, il a fallu qu'on la démolisse pour bâtir par-dessus. Ça n'a pas été facile, ça a été une décision d'affaires. Fallait qu'on le fasse, puis maintenant on est ouvert, puis on est très content. On se serait passé de ça. 85 % de nos employés sont revenus. On a clairé 20 emplois de plus, on est 120 employés ici. On est fiers de ça, en plus de tous les producteurs locaux qui ont une place de choix sur nos tablettes. Tous les producteurs locaux qui étaient dans l'ancien magasin sont revenus. Puis en plus, on en a des nouveaux. Alors, c'est toute l'économie locale là, qui en sort gagnant là, avec la réouverture de notre magasin. Alors non, on est content de cette facette-là. On est bien parti, puis on est confiant pour l'avenir. Nous, on est très confiant pour l'avenir.